Ça bouge pas toujours, vous restez en place. Oh la garce. C'est un sac de voyage qui avait été apparemment abandonné sous une banquette du train. Et vous en prêtez souvent des paquets pareils ? Oui, parce que les gens apparemment sont assez distraits. Malgré les consignes de sécurité qui sont données, imposées un petit peu partout, les gens, encore à l'actuel, oublient des paquets. Et vous avez peur quelquefois ? Peur ? Il faut pouvoir réfléchir pour avoir peur. C'est pas mon cas. Non, peur, disons qu'on ne se pose pas de questions. Dans l'action, on n'a pas le temps de se poser des questions. Si on avait à se poser des questions, on se les poserait avant, après, mais certainement pas pendant. On a trop de choses à faire pendant et puis on oublie tout. L'action étant là, on se borne à ce qu'on a à faire et c'est ce qu'il faut faire. Il faut arriver à faire le vide d'ailleurs. Vous avez un sixième sens quand vous approchez d'un paquet ? Pour savoir si réellement j'ai affaire à quelque chose de... Non, et en fait, je me pose pas la question. Parce qu'à partir du moment où il est classé suspect, c'est qu'il peut réellement contenir quelque chose. Donc dans tous les cas de figure, j'agirai, à moins que je vois réellement
que le paquet est ouvert, qu'il n'y a strictement rien dedans. Sinon, systématiquement, j'agirais comme si c'était réellement une bombe. Par jour, je sais que par équipe, il s'est arrivé de traiter une trentaine d'affaires. Mmh. Par équipe. Vous êtes marié ? Oui. Je suis marié, j'ai deux enfants. Parce qu'on ne sait pas si au moment de l'explosion, on se trouve dans la propagation de l'onde de choc ou bien tout simplement sur le passage d'un éclat. Parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent vous blesser ou vous tuer. D'une bouteille de gaz et d'un pétard de 100 grammes. Et vous pouvez voir les effets, effet de souffle et effet incendiaire en même temps. C'est une bombe qui aurait pu tuer ? Oui, bien sûr. Si les occupants étaient restés dans la maison, il y aurait eu des victimes. C'est plus que certain. Charge de la nature de l'explosif peut-être aussi ? Ça arrive, oui, pour des analyses, pour savoir quel explosif a pu être employé. Mais disons qu'en Corse, maintenant, nous savons ce qui est employé à chaque fois. Vous êtes allé en Corse dernièrement ? Oui. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le service assure donc la permanence également en Corse, pour les colis... pour les bombes terroristes en Corse, et que la permanence que l'on assure en Corse, bon, mais on est appelé à être confronté soit par période, bien souvent, à traiter des paquets un petit peu différents de ceux qui étaient posés sur Paris, parce qu'on s'attaque plus principalement à casser du matériel et non pas du personnel en Corse. En fait, ça arrive d'avoir des nuits chaudes en Corse, des nuits bleues. On va sur une maison qui est piégée. Ça a sauté à moitié ? Oui, en partie, mais il reste encore une partie d'une charge, des charges qui n'auraient pas sauté, tout n'a pas sauté. Bon, je vais manipuler les bouteilles, alors faut peut-être que je m'en sors, on ne sait jamais, c'est toujours tout. Bon, vous restez là, hein. Puisque le terrorisme à la pluie est un moyen de pression et d'expression. Donc c'est vrai que tout le monde s'exprime par ça maintenant.
Un peu trop. Un peu trop peut-être. Et les médias, ils sont peut-être pour quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une intervention sur bombe artisanale, terroriste, il faut passer le moins de temps possible dessus. Parce que ce qui est important, c'est le facteur temps. Donc plus vous augmentez le facteur temps, vous vous exposez davantage sur place. Il ne faut surtout pas. Donc il faut se limiter à l'intervention de très courte durée. Nous nous y rendons immédiatement. Personne ne passe au bout, hein. Ouvrez la bouche. Bon alors, l'intervention est terminée, on a sauté la valise, RAS remis, objet trouvé. Il existe deux types de bombes. Enfin, je vais classer ça en deux types de bombes. Les bombes qui sont découvertes, qui ne sont pas recouvertes par une enveloppe. Donc on voit plus ou moins l'explosif, on voit les mécanismes, on voit très bien à quoi on a affaire de suite. Et il existe les bombes qui sont cachées par une enveloppe quelconque. Un attaché caisse, un sac, comme c'était ce matin le cas, un carton. Donc on ne voit pas directement à quoi on a affaire. Et je pense qu'il y a un facteur psychologique très important quand on ne voit pas. On est, je ne dirais pas plus décontracté, mais enfin, on a pas la même. Le même comment dirais-je, comportement. Les fils électriques sortent du paquet, vous mais quand vous voyez, oui, se poser des questions, disons que ça réagit très vite. Quand on voit un réveil qui fonctionne notamment, qui fait tic-tac, effectivement, c'est certainement plus impressionnant qu'un attaché caisse, tout ce qu'il y a de plus banal. Qui peut être aussi dangereux d'ailleurs. Reculez de 20 mètres! À la mort, non, mais bon, à l'accident possible. Mais enfin, moi, personnellement, j'ai jamais pensé à la mort vraiment. Après coup, si. Hein, des fois, je me suis dit, enfin, moi-même, j'étais complètement barjo de faire ce métier-là. Et puis, personnellement, dans le fond, je me dis, ben, je serais incapable. Enfin, je le fais parce que je l'aime bien. Hein, et c'est justement, je crois que c'est le petit côté qui me fait peur, qui me plaît en réalité. Hein. C'est arrivé une fois de me trouver confronté à une. Un paquet qui était découvert, donc il n'était pas caché par une enveloppe. On voyait très bien un réveil, auquel était relié un détonateur, on fait des détonateurs. Le réveil était en marche, donc comme je disais tout à l'heure, le facteur psychologique est le plus important. Il m'est arrivé de me poser la question, à savoir qu'est-ce que je faisais là, à ce moment-là. Le jour du concours, il y a peut-être que 20 ou 25 personnes qui se sont présentées. Bah, c'est on ne se bouscule pas pour être ici. Bon, je pense pas. Non. Non. Et pourtant, toi. C'est quand même une spécialité d'élite, donc c'est normal que les gens se bousculent pas. Vous comprenez très bien ça.